Ton père semble vraiment prêt à partir. Allons-y, tu veux ? Par ici, grognon. Tu apprécies ces douces vagues, petit homme. Ton père et moi traversons souvent cette rivière. Un jour, tu apprendras à voguer sur ces eaux. Nous vivons au cœur de Fauvebois, la plus belle forêt de tout Midgard. Un lieu sûr et paisible. Le gibier y abonde et tu ne manqueras de rien. Nous ne sommes pas loin du lieu où ton père et moi nous sommes rencontrés. Nous avons failli nous entretuer ce jour-là. Il s'est adouci depuis. Un peu. Malheureusement pour toi, il est toujours terriblement stoïque. Je suppose qu'il m'incombera de t'apprendre à parler. Ton père t'apprendra à chasser. Ou peut-être m'en chargerai-je également, puisqu'il ne semble savoir que grogner. N'as-tu rien à dire à ton fils ? Que veux-tu que je dise, Faye ? N'importe quoi. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix. À te connaître toi. Moins il en saura, mieux il se portera. La connaissance n'est pas toujours un fardeau. Quand je pense que le puissant dieu de la guerre a peur de son propre enfant. Je n'ai pas peur de notre fils, Faye. J'ai peur pour lui. Il est innocent. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous devons être meilleurs. Atreus est notre avenir. Protège-le, Kratos. Protège notre fils.
Qu'est-ce qui t'a fait, ce mur? C'est pour me concentrer. C'est mon père qui me l'a appris. Et ça va? Pas encore. Mais sur quoi tu te concentres? Le contrôle de mes émotions. Emdahl cherche à me faire perdre mon calme. Je dois lui résister. Trude, hé, c'est Trude, alors... On s'entraîne sans moi? Et c'est une bonne idée de s'entraîner. Enfin, je trouve ça bien, moi, mais ta mère va pas se fâcher si elle l'apprend. Bien vu. Mais as-tu pensé à... Non, en effet, même pas mal. Plus sérieusement, grand-père veut te voir. Oh, ton grand-père. Ouais, bah, d'accord. Tiens, prends ça. Et passe mon bonjour à Sif, à Dame Sif. Et Atreus, on se voit plus tard. Et Trude, au revoir, Trude. Les mythes gardiens sont vraiment étranges. Étrange, ça peut être bien. Non mais vous deux, franchement... Y'a quoi dedans? Tu l'as cahier. Ma mère adore. C'est sa façon d'aider. Grand-père est dans son bureau. On se voit plus tard? Joli! Oh, je peux utiliser ça! Ah, bel équipement! Sur quoi je peux travailler? Chambre de Sif et Thor. Père et les autres s'étoufferaient s'ils apprenaient que je suis venu ici. Minute, qu'est-ce que je suis venu faire? C'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Tu n'as pas toujours besoin de savoir pourquoi. Je suis plus une enfant. Cela n'a rien à voir avec ton âge. Alors quel est le problème? Parce qu'à mon âge, Magni et Maudit étaient engagés sur la voie de leur mort. Je ne comprends pas. Mais tu n'essaies jamais. Alors aides-moi. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir suivre leurs traces? Et qui plus est, avec ce garçon? Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste... J'en ai toujours rêvé. T'as jamais eu... Nous sommes des ases, pas de vulgaires paysannes. Nous n'avons pas de rêves, seulement des devoirs. Tu dois apprendre à agir en conséquence. Parfois, je te déteste. Rien ici. Odin est peut-être dans sa bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je ne comprends pas. Le masque?
Ramenez chez nous le géant qui a tué mes fils. Pourquoi? Je pourrais te l'expliquer, mais pas te le faire comprendre. Ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limité. Accepte-le et vis avec. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. Loki, viens là. J'ai enfin mis le doigt dessus. C'est là que vous avez tué Ymir, n'est-ce pas? Le premier géant. Dis-moi, peut-on tuer un éboulement? Étouffer une tempête? Ymir était une force de la nature, la puissance incarnée. J'étais jeune et bête. J'ai vu l'occasion de créer quelque chose. Tu penses sûrement que c'était cruel, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger les miens. Tu comprends? Pourquoi avoir choisi ce lieu? Que cache-t-il? Si je dois vous faire confiance... J'essaie de t'expliquer. Juste après la mort d'Ymir, j'ai vu quelque chose, la brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'y plongé mon regard et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. Et j'ai su, à cet instant, qu'il me permettrait enfin d'obtenir des réponses. Vois-tu, mon enfant, j'ignore où j'irai après ma mort. Il n'y a pas de Valhalla pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Je dois savoir ce qu'il adviendra de moi. C'est la vérité. Je te le jure sur l'œil qu'il me reste. C'est toute la vérité. Les runes sur le masque. Elles parlent d'un souffle glacial. Souffle, vent. Il doit s'agir des Lime. Lime, dis-tu? Je te crois. Et je connais la personne idéale pour t'accompagner. J'espère que vous vous montrerez à la hauteur de mes attentes. Tu peux compter sur nous. Essaie d'éviter de te planter. Oh, j'ai failli oublier. Heimdall se joindra à vous. Quel privilège. Pour nous tous. Oh, hop, 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 hop. Pas si vite. Vous ne pourrez pas affronter le froid glacial de Helheim sans aide. Efrelar. Voilà qui vous tiendra chaud. Ne me remerciez pas. Mimir a dit que même Odin ne pourrait survivre au froid d'Helheim. Tu crois tout ce que te raconte ce vieux bouc? Good. Désolé que ta première sortie hors d'Asgard t'amène à Helheim. Non, ce sera une bonne expérience. Bien, j'adorerais jouer les gouvernantes, mais le père de tout m'a confié une autre mission. Si vous rencontrez le moindre problème, criez pour que je puisse retrouver vos corps. Bon, trouvons ce morceau de masque. Je peux enfin tester mes compétences aux côtés du grand expert des Valkyries. D'abord, les Éléens ne sont rien comparés aux Valkyries. Ensuite, je pensais que tu me croyais pas. Okay.
Léa, c'est ta chance. Viens, Alpha. Je veux bien croire que tu as affronté les Valkyries. Ce que je crois pas, c'est que grand-père les avait corrompus, qu'il a causé la désolation de Midgard et ordonné le massacre des géants. J'oublie quelque chose ? Pas mal de choses. D'autres Éléens ! Je m'en charge ! Et moi, je te regarde sans rien faire ? Tu rêves ? Elle est vraiment forte. En toute franchise, pourquoi ces guerriers très difficiles à battre? Alors, quels autres abominables crimes mon grand-père a-t-il commis? Voyons. Il a décimé Vanaheim, torturé Tyr, exécuté Groa, assassiné Ymir, et y a pas que ça. Intéressant. Et où as-tu entendu tout ça? C'est Freya et Mimir qui m'ont dit. Prêtresse d'Exvan, son ancien conseiller aigri? Je vois. Écoute, tu ne me crois pas, mais... Non, c'est vrai. Soit tu mens, soit t'es un hypocrite quand tu l'aides. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la mission? Qu'est-ce que ça dit? Impasse. C'est ici que le masque nous dit d'aller? Faisons demi-tour, on trouvera un autre chemin. Tu vois? Des Éléens! C'est qu'on est sur la bonne voie! Bien sûr! Allez, Loki, tu n'es. Ah!
Je m'en occupe. Je vois ça. Hé, tu m'en veux pas, hein? C'est bon. Peut-être que nos familles sont censées être ennemies. Mais pas nous. Je refuse de le croire. Si on servait de la grosse caisse... En revanche, c'est que tu ferais une grande valkyrie. Et je le dirai à ta mère. Même si elle me fiche une peur bleue. Ça me touche beaucoup. Allez, on a un morceau de masque à trouver. Pas de passage par ici non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Mais mon instinct me dit que ce qu'on cherche est ici. Viens, quand tu... Avoir un arc, c'est une chose. Savoir s'en servir, c'en est une autre. Et si tu m'apprenais ? Je serais la première Valkyrie Archer. D'accord. Maintenant, on va... droit dans un groupe d'Eléens. À l'attaque! Qu'est-ce que c'est que ça? Une revenante! Je vais la ralentir! Non! Prends charge! Viens le feu! Le masque. Le guidage du masque est un peu bizarre avec toutes ces structures sur le chemin. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Tu crois ? Cauchemar!
donc par là. Oui. Est-ce que tu te moques de moi? Je veux que ça se passe bien. Je veux que ma famille voit de quoi je suis capable. Je sais, moi aussi. Je dirais que c'est par là. Je me charge de l'ouvrir. D'accord, ces portes sont vraiment coriaces. Tu vois quelque chose là-dedans? Voilà. Bien, ce que t'as touché a fracassé le sol, comme tout à l'heure. Faisons demi-tour pour voir ça. Bon, je parle beaucoup de ma mère. Et toi, comment est ton père? Il est... dur. Il essaie de me forcer à devenir comme lui. Mais je crois pas que ce soit moi. Ouf. Ouais, je sais exactement ce que c'est. Le problème, c'est que je sais pas ce que je veux. Toi, tu as cette chance. Tu vas trouver. Elle va où, ça? Y'en a d'autres! Masque nous disait d'aller tout droit. Mais bien sûr, la voie est bloquée. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on entre. Ou qu'autre chose ne sorte. Je suis sûre qu'il y a un autre accès. C'est toujours le cas. Je vois une pierre de sang. Bien. Jolie. Comment tu as su que tu voulais être une Valkyrie? Un peu par hasard. Après une dispute avec ma mère, j'ai joué en douce et vu leur entraînement. Chacun de leurs mouvements était net et précis, comme si elles savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Et à ce moment-là, je l'ai su aussi. Et maintenant, par où? On dirait que c'est par là.
C'est trop lourd ? Tais-toi, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. D'accord. Trop lourd. Pas mal. Je sais. Comme je le disais, voir les Valkyries se battre avec force et avec grâce, sans faux semblant, ça m'a ouvert le cœur. Je savais où j'allais. Je n'avais aucun doute. Dommage que les géants suivent des prophéties. Peu importe. Trace ta propre voie, comme on l'a fait ici. Voyons voir. Écarte-toi, petit homme. Oui, je vois ça. Pas mal. On forme une bonne équipe. Oui. Et maintenant ? Si seulement... Apparemment, c'est par ici. Mais... c'est bloqué.
monter ? Trouve un moyen de faire tomber la caisse de l'autre côté. Je t'attends ici. Je ne peux pas monter comme tu le fais. J'y vais. Ingrid, est-ce que j'ai été trop dur à propos de son grand-père ? Il faut qu'elle sache la vérité, non ? Oui, tu as raison. Hé, hey, tu me parlais ? Non, je parlais à Ingrid. Ah, d'accord. Je t'attends. Voyons, où je peux avoir un meilleur point de vue sur cette caisse ? Je devrais la rejoindre. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Bonjour ! Vas-y, le flou ! Écrase-les ! Le masque s'agite. On doit être proche. C'était quoi ? À toi de me le dire. C'est toi qui es déjà venu ici. C'était sûrement rien. Ça n'en avait pas l'air. Sorte d'ici. Et le masque ! Il est tout proche. En plus, je crois pas qu'il soit dangereux. Est-ce qu'on voit bien la même chose ? S'il est enfermé, c'est sûrement pas pour rien. Je peux sentir ce qu'il ressent. C'est un truc de géant. Et tout ce qu'il veut, c'est sortir. Le morceau doit être derrière lui. Fais-moi confiance. D'accord. Commençons par l'entrave qui n'est pas. Chut.
porte. Une troisième sous sa patte. Attention! Regarde pas toi! C'est le cabot. Et si on regardait dans la salle qu'il gardait? Dis-moi que c'est dans l'eau quelque part. C'est... Tiens, il n'y a plus aucune réaction. C'est bien la première Mais fois. Mais je t'ai fait confiance. Et on a libéré cette chose. Grand-père va me tuer. Faut qu'on vite ici, dépêche. Trude, attends. On l'a peut-être attendu. Il est peut-être quelque part Trude, là-bas. Trude, c'est... ça va aller. Comment tu peux dire ça? J'aurais jamais dû t'écouter. Si j'ai fait une erreur, je la réparerai. Je trouverai le morceau. Tu es vraiment un imbécile fini. Tu sais que cette chose fait des trous entre les royaumes, pas vrai? Enfin, je suppose qu'on pouvait s'y attendre, venant de deux bâtards. Ne me traite pas de... Je t'appellerai comme je le voudrais, Minus. Laisse-le tranquille. C'était une erreur. Non ! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête. Tu l'as aidé, n'est-ce pas ? De quel côté es-tu, au juste ? Sauterelle. Viens là, je vais te montrer. Oh. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Oh. Vois-tu, les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce... de grosses barriques d'hydromel sur pattes. On recommence. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Alors soit. Voyons ce que tu vaux. Tu as encore bien des choses à apprendre, petite fille. À commencer par... reconnaître les tiens et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une Valkyrie. Oh. Oh. Alors, tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive? Oh. Allons, tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. C'était pas loin. Trude ! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais ? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir. Parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Oh, ça va être fantastique. Hugin!
il n'est pas là. Allons voir dans son bureau. Oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé en boudant la queue entre les jambes, j'en doute. Quant à toi, Loki le Jotnard, ton incompétence me sidère. À tel point que je n'endors plus la nuit. Si tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que c'en serait presque... attendrissant. Si ton inutilité était comestible, nul ne connaîtrait plus jamais la fin. Très bien, tout est de ma faute. Laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Loki, je te retrouverai dans ta chambre quand j'aurai fini. Ce ne sera pas long. Très bien. Ma mission s'est déroulée sans accroc, père de tout. L'objet dont nous avions discuté est à l'abri. Le masque, en revanche... eh bien... ce ne sont que... des enfants. Merci beaucoup. Trud, je ne veux rien entendre. Tout allait bien avant que tu débarques. Je vais me rattraper, c'est promis. J'ai pas envie de parler maintenant. Elle me déteste tant. Ma petite, tu ne peux pas continuer à saper mon autorité de cette manière. Tu l'entraînes dans mon dos. Elle fera ce qu'elle veut, de toute façon. Autant l'y aider. Si je sais où elle va, je peux la protéger. Tu ne crois pas? Je préférerais qu'on forme une équipe. J'aimerais que tu me soutiennes pour une fois. Tu ne fais que détruire le peu de liens qu'il me reste avec elle. Je fais de mon mieux pour préserver notre famille. Si c'était vrai, tu t'opposerais à ton père. Au moins une fois dans ta vie. Tu as raison. Chérie. Non. Tu as raison. Quel exemple suis-je pour notre fille? Ces derniers temps, j'ai l'impression de n'être bon qu'à détruire tout ce qui m'entoure. C'est juste... nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment tout raté. C'est dans ces moments-là que la maison me manque. Une maison, une vie, avant d'être ici. Quelqu'un qui s'occupait de toi. Je prends ça pour un oui. Je peux peut-être t'aider à rentrer chez toi, sans tout faire rater, si possible. Ça te plairait ? Je peux entrer. J'ai entendu la version de Heimdall. J'aimerais entendre la tienne. Raconte-moi. Ce n'était pas là. Je me suis trompé. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Mais relâcher Garm, c'est extrêmement grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs... je crois que je veux rentrer chez moi.
Très bien. Si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi, mais pas en ton entourage. Oh, et Ingrid. Ingrid, je dois partir. Loki, quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Ugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh! Et tu salueras Mimir pour moi? Je suis surpris d'être soulagé de revenir ici. Si tu restes ici, tu risques d'attendre longtemps. Bien sûr. L'accès mystique au plus vite. Odin a raison. Libérer Garm. Quelle terrible erreur. Hey, Speki, tu m'as manqué. Désolé d'être parti si longtemps. Tu es une si gentille louve, hein, Svana? Pas m'enfuir. Parfois, je vais devoir les faire face. Très bien. Je serai bientôt rentré. Ça va aller. Tout va bien se passer. Il reviendra tant que je n'aurai pas fait avec cette prête de royaume. Attends, je vais te faire croire.
travailler avec le sort. Je vais vous montrer comment. À ton signal. Laisse ça, Rifa. Relève-toi. Aide Freya, je vais les attirer. Ah!